Salut tout le monde, ici Snake Tout de retour avec la Chinowin. Aujourd'hui, une légende. C'est pas vraiment un jeu d'horreur à proprement parler, c'est un jeu de science-fiction, mais qui est assez stressant parce qu'on meurt à tous les coins de rue. J'ai nommé Another World. 20e anniversaire. En effet, c'est un jeu qui a plus de 20 ans maintenant, et c'est un jeu qui a révolutionné l'industrie. On va se lancer tout de suite. C'est un jeu qui est sorti à la base sur Super Nintendo, si je ne m'abuse. Mon avis, il est sorti sur d'autres... Non, on va revenir avec les graphismes à l'ancienne, d'ailleurs. Et avec Triangle, on peut changer entre graphisme CD et graphisme à l'ancienne. On va jouer à l'ancienne, parce qu'on est des... On est des anciens, nous, hein. On est des vieux de la vieille, hein. Vous-même, vous savez. Donc, on se retrouve avec ce scientifique qui se dirige tout droit vers un labo souterrain. Hein, avec sa petite Ferrari. Un début de jeu qui n'est pas sans rappeler le début de Tron, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent Tron. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que vous attendez à aller voir Tron, le premier du nom? Ça rime en plus. Oui, je sais, il y a d'autres mots qui riment avec Tron. Et on va pas les dire ici parce qu'il y a un peu de classe quand même, bordel. Ah! Ah, mes oreilles! Donc, nous jouons à un scientifique roux. Ça commence mal. Bonsoir, professeur. Je vois que monsieur a pris sa Ferrari. Pourquoi est-ce qu'un ordinateur aurait besoin de savoir ça? Vraiment. Je dois étudier ces cubes en 3D. La géographie le demande. Faites fonctionner le projet 23. La balle de golf avec système d'autoguidage. Nous allons devenir riches. Oui, vas-y, accélère les particules. Éjection des particules. Oh mon dieu, non. Ne fais pas ça. On va pas vraiment attendre 20 secondes quand même, si. Haha, il ouvre son coca tranquille. Bravo. Merci, jeu, d'avoir utilisé un coca marque déposée. Oh putain! Oh mon dieu, Marty! Qu'avons-nous fait, nom de Zeus? Bien sûr, il a fallu qu'il y ait un orage. Et bien sûr, l'orage, il va faire quoi? Les orages ressentent, hein, quand il y a des expériences scientifiques dans les parages, vous le savez, c'est pas vrai. Waouh. Boum. Au revoir. Désintégré. À tout jamais. Eh oui, mesdames et messieurs, nous voilà téléportés. Nous voilà téléportés. Oh, des tentacules. On joue déjà, là, hein. Nous voilà téléportés dans un autre monde. D'où le titre du jeu. Donc attendez, c'est quoi les contrôles déjà? Hop hop hop, les tentacules là. Oh, on n'est pas dans un hentai, bonhomme. Alors, le saut qui n'est pas sans rappeler le saut du prince de Perse. Oula, non, ça c'est pour changer les graphismes. Ok, la croix pour un, ça, et alors? Attendez. On doit rater quelque chose. Ah d'accord, quand on court pas, on peut donner des petits coups de pied comme ça. Ah ouais, regardez-moi ce maître en arts martiaux. Ah, t'es trop balèze, mon gars. Oh, punaise. Ok, donc ça, c'est à éviter comme la peste. Les petits monstres comme ça, c'est à éviter comme la peste. Sinon, on est mort. Meurs, créature de l'enfer. Ok, jusque-là, tout se passe plutôt bien. On n'est pas encore... Oh, putain. Mourez, 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 mourez. Donc ça a l'air simple comme ça, mais en fait c'est un jeu qui pourrait s'apparenter à bon, je vais dire le truc le plus basique du monde, mais c'est un peu un Dark Souls. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord passer par les épreuves que le jeu nous balance pour pouvoir les surpasser. C'est rare qu'on puisse savoir à l'avance ce qui va nous tomber sur la gueule. Je me souviens un peu du jeu, j'y avais joué quand j'étais... Oh putain de merde, cours! Cours! Oh mon dieu, on est dans la merde. Oh, on est dans la merde! Oh putain, Dieu merci, c'est cassé la gueule. Cours! Ah! Ouh! Mec, cours! Continue de courir! T'arrêtes pas! Ah!
Ah, Jésus-Christ, viens mon aide. Jésus-Christ, c'est toi? Coco? Moi venir en paix, moi avoir 5 doigts pour mettre des claques. Oh non, il est horrible. Bon. Oh, oui, je veux dire, si vous prenez les choses comme ça, d'accord. On se réveille dans une cellule avec un camarade. Ah, c'est tellement cinématique ce jeu. Un homme pomme de terre. Donc là, c'est parti, on joue déjà. Donc vous vous doutez bien, hein, il va falloir qu'on fasse bouger la cellule pour se libérer d'ici. Il faut qu'on la fasse tomber sur la gueule de l'homme patate méchant, parce qu'il y a l'homme patate gentil et l'homme patate méchant. Allez. Non, non, je vais pas arrêter. Allez. Non, on n'arrêtera pas. Allez. Tombe. Boum, meurt. Il va dire la phrase. Comment tu t'appelles? Mike Ruba. J'adore. Mike Ruba. Quoi? Donne-moi le flingue. Oh, trop bien, on dirait un des flingues de Nintendo, là, vous voyez? Ouais, lance son puissant. Attends, attends-moi, Mike Ruba. Mike Ruba. Oh putain! Tue-les tous! Ok, on est bon? On est bon. Mike Ruba. Reviens ici, Mac Ruba! Vite! Oh putain! Ah! Ah! Tu l'es! Eh merde! On est mort et lui aussi! Ok, ok, ok. Allez, tue-le, 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 tue-le! Ah oui, c'est vrai! On l'a eu? Je crois qu'on l'a eu. Oh! Hop, 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 hop! Non, 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 non! Meurs, 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 meurs! Je crois qu'on l'a eu. Oh putain! Hop, hop, hop! Cours! Oh mais quel enfer, je vous jure! On va aller à l'étage! Comment on va faire pour se sortir d'ici, mec? Mike Ruba. Waouh, c'est beau! Une ville pleine de symboles phalliques! C'est tout ce qu'on aime! C'est ça ta ville? Mike Ruba. Alors bon, on va aller. Je ne sais plus, je me souviens plus vraiment du jeu. Attendez, ici il y a quoi? Ok, ici on peut rien faire. Je me souviens juste qu'il y a le gros tir chargé qui permet de casser les portes, mais comment dire? Ah! J'adore comment on les désintègre. Ok, on a cassé le truc d'électricité. Maintenant. Allez, Mike, monte! Mike, oui, là. Alors, maintenant, on casse ça. Et maintenant, on court! Cours! Et monte! Oh mon dieu, c'est tellement stressant. Oh fuck. Oh fuck. Oh, tu peux faire ça pour moi? Oh putain! Et qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce que tu vas. Oh, non! Mike! Ok, ça va, il a juste l'air de discuter avec le gars. Et nous, on va juste rouler vers la liberté. Ah, oh, merde. Oh non, non, je déteste ce passage. On sait pas où aller. On va vraiment... Non, c'est pas par là. Oh, attendez. Ok, ça va. On est bon. Faut être sûr qu'il n'y a pas de... voyez, de fumée qui va nous fumer la... Non, non. Eh merde, il est mort. C'est parti. Ça m'avait pas manqué du tout. Oh, attendez. Et du coup, c'est par là maintenant. Oh mon dieu, c'est tellement stressant. Ok, là c'est bon. Oh, on va y aller doucement. Oh, c'est tellement stressant. Ah, c'est là. Ok, ça va, on est bon. Oh putain. Aïe. Je dirais droite. Tac, maintenant. Oh putain, c'était tellement de stress.
Oh mon dieu, merci. Je dirais encore droite. Oh putain de merde. Oh putain, c'est tellement stressant. Vous comprenez pourquoi c'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais en même temps... Oh... I have the power! Voilà, ça a rechargé notre flingue. Pourquoi faire genre... Ah oui, c'est vrai, parce qu'il faut casser ça. Allez, vas-y, pète tout, mon gars! Pète tout, Gordon Ramsay, du futur! Et... Allez, faudra qu'on recharge notre flingue encore après ça, hein, parce qu'honnêtement... Voilà, ça c'est bon. Source intarissable de puissance! Ah, ça va, pour l'instant je me souviens encore bien de... Oh putain! Ouh! Oh putain de merde, putain de... Oh fuck! Ok. Merde, c'est tellement injuste! Vous voyez à quel point c'est injuste? Allez, go! Détruis-moi ça, voilà, recharge ton flingue du futur. Marque déposée. Bon, lui on va lui péter la gueule tout de suite. Voilà, et maintenant... Hop! Oh putain de merde... Non, c'est pas par là qu'on devait aller, hein. Y'a rien devant? Y'a rien devant. Ah, c'est par là, je suis sûr que c'est par là, du coup. Yes! On est les meilleurs! On est les meilleurs! Oh putain de merde. Oh putain de merde, je me souviens plus du tout ce qu'il faut faire ici. On est où déjà? Je sais pas. Je sais pas où on va, je sais pas ce qu'on fait. Mais ça pue ici, ça a l'air de vraiment puer. Bon ben continuons, je sais pas, hein, c'est jamais que des cas. Oh putain. Vous pensez que... Cours, Gordon! Merde! Ah oh, non, c'est noyé! Merde de merde! C'était le bon chemin? Vous croyez que c'était le bon chemin? Attendez, on va la refaire. C'est chiant ce passage en plus parce que... Je veux dire, dès qu'on meurt, on se retrouve au tout début de la zone. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais pas. On va tester plusieurs trucs, voilà. Allez, pète la gueule à l'eau. Cours! Ah ok. Du coup ça... Oh putain! Pfff. Ok, ça remplit le truc, donc il faut qu'on se mine doublement. Oh, merdier. Mais attendez, on pourra pas remonter. Sauf si ça s'arrête à un moment. Fuck. Merde, on est où maintenant? C'est quoi ce délire? Ouais, qu'est-ce que... Oh putain. Oh, c'était chaud là. Ok, oh non. Pourquoi il y a tellement de merde là qui nous tombe sur la gueule? Attendez. Hop, maintenant. Oh putain, l'a échappé belle. Attendez. Touloulou. Toudoudoum. Maintenant! Oh putain! Ok. Toudoudoum. Maintenant! Oh putain, c'est tellement tendu! Vas-y! Ouh, ok, je crois que là. Ouais, là c'était bon, c'est bien ce que je me disais. Là c'est bon aussi, du coup, en logique. Attendez. Vas-y, mon gros! Vol vers la liberté! Vol, mon loulou d'amour! Oh, il est beau ce dragon. Dragon! On se serait fait bouffer? Oh non. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai l'impression qu'on fait des trucs de travers. Non! Mais putain, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Pourquoi ça nous ramène ici en plus? Ça veut dire que c'est le bon chemin si ça nous ramène ici. Non?
Attendez. Oh là 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 là. Ah, c'est jeu à l'ancienne, hein. C'est quelque chose. Ok. Fuck! Par le petit caillou, c'est pas vrai. Ah, vous allez voir, maintenant on va être bloqué ici comme des cons. Oh non. Tellement rageant. Alors, ok. Ok, on est bon. Ok, saute. Oh putain, l'échappée belle de chez Belle. Ok, ça va. À partir de là, bon, on va faire revoler le dragon. Petit dragon, vole. Voilà. Sinon, les tentacules vont nous bouffer, nous, et c'est pas le but non plus. Allez, fais-toi manger, je suis désolé. Hein. Oh là là, je suis trop désolé. Non! Oh putain, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Non! Oh non, je vous en supplie, Seigneur. Ok, ça va, on y arrive plus facilement, on commence à prendre le rythme. Ça veut dire quoi maintenant qu'on est foutu, qu'il n'y aura plus de dragon à bouffer? Non, ça va, le dragon est toujours là. Faut bien remonter le long du truc, hein, de ce stalactite. Hein, bon, j'ai une méthode mnémotechnique imparable. Ok, là ça marche. Ce qui veut dire que maintenant on peut se sortir de là comme ça. Ok, d'accord. Et maintenant? Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça va remplir ici? Qu'est-ce que... Vous savez quoi? On va essayer d'échapper à la flotte. Je suppose qu'on n'a pas des masses d'autres choix en vrai. Hein. On doit juste échapper à la flotte. Bon, attendez, donc. On tire ici. On court comme des tarés. Putain de... Oh non! Faut tout se retaper! Oh, c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai. Attendez, on pourrait pas juste... S'éviter tout ça. On pourrait pas juste s'éviter tout ça comme ça? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se taper tout le passage avec les tentacules? J'en doute fortement. Donc ce qu'on va faire, on va directement casser ça. Je sais pas, c'est peut-être le jeu qui nous prend pour des gros cons. Hein. Oh putain! Oh! Wow! Qu'est-ce que... Est-ce que ça a servi à quelque chose? Honnêtement. Ah, je sais pas si ça a servi à quelque chose en vrai, hein. Ok, là c'est probablement la mort. Et là? Qu'est-ce qu'il y a par là? Peut-être la mort? Oh putain. Wow. Ah, là c'est le pont. D'accord. Wow, seigneur quoi. Ok, on en revient au même endroit. On peut marcher là-dessus. Oui, on peut marcher là-dessus. D'accord. Oh, puis... Oh! Mike Ruber. Mike! Mon pote! Mon pote pomme de terre! Il faudrait pas t'aider peut-être à traverser un truc? Ouais, il faut totalement l'aider à traverser ce truc. Comment faire? Comment je peux t'aider, Mike? Dis-moi tout. Pas comme ça, c'est sûr. Pardon? De quel droit? De quel droit, mon gars? De quel droit tu me mets? Là, à ce checkpoint-là, de quel... Les enfants de ces années-là n'avaient vraiment pas la vie facile. Je vous laisse imaginer. Là, la rage qui est en moi, là, bouillonne tellement fort. Tellement... Qu'est-ce que tu fous, mec? Détruis ce pilier. Allez, go! Oh, putain! Oh, putain!
C'est beau, quoi. Je me doutais pas que j'allais souffrir autant avec ce jeu, putain. Je savais qu'il était dur, mais là, c'est exagéré. Bon, on va y arriver. Un peu de confiance en soi, merde. J'ai pas fini tous les Dark Souls pour me faire piétiner par un jeu pixelisé. D'accord. Ce jeu est en train de détruire mon âme. Mon âme est en train d'être violée. D'accord. Oh, Seigneur, sauve-moi. Bon, allez. On va y arriver cette fois. Il faut juste être précis. Mais le gameplay du jeu est horrible. Le personnage glisse. Le personnage glisse tellement. Voilà, hop. Hop. Oh putain. Ouh, ok, ça va. On a encore réussi. Non mais du coup, si on va en bas maintenant, plutôt que d'aller vers le haut là. Ok, on peut quand même marcher ici, on est d'accord. Qu'est-ce que t'as ? Ouh, c'était tendu, hein. Ah bah quoi, qu'est-ce qu'il vous vert maintenant ? Ah, je suis tendu de voir un garde arriver là. Oh putain. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Laisse-moi tranquille. Tiens. Oh putain de merde. Cours. Ouh. Oh mec, cours, enfuis-toi. Oh putain, on est sauvé. On est peut-être sauvé, mais j'ai plus de flingue. Qu'est-ce qu'on va faire sans flingue? On aurait peut-être dû fuir de l'autre côté. Mike, t'es où? Pourquoi Mike n'apparaît plus maintenant? Attendez, il est passé? Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to social.